Dites-moi où est-ce qu'on peut se réjouir. Ce qui a fait la force de David, c'est que cet homme savait se réjouir en présence de Dieu. Il savait danser, enfin, il savait danser. Il dansait pour exprimer sa joie et sa reconnaissance. Des fois, on est trop sérieux. Alors que Dieu est touché par nos louanges, notre adoration, mais aussi par nos danses et par les chants. Donc, comprenez que tout ça fait partie, ce n'est pas juste l'ambiance. Ça fait vraiment partie d'un culte digne de louange où on peut chanter, on peut danser, on peut vraiment se laisser aller parce qu'on a la reconnaissance. Je vois des gens qui sont debout au fond, il y a quelques places vides derrière. Donc, je vois quelques personnes qui sont debout, il y a encore. C'est pourquoi j'aime bien qu'on place les gens devant parce qu'après, il y a quelques places là. Donc, ceux qui sont debout, je vous prie de venir chercher quelques places. Je vous laisse quelques, juste une minute, le temps qu'on puisse souffler. Il y a ma montre. 23h24, à peu près, nous courons allègrement vers la fin de l'année et bien sûr annoncer la nouvelle année, ce qu'on appelle l'année civile. Et l'année civile agit forcément sur nous. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on discute, il y a toujours des gens qui sont prêts à discuter, que ce n'est pas vraiment la fin de l'année, mais ça agit sur ton âge. Et tu vas voir que tu iras à la retraite en tenant compte de l'année civile. Et ce n'est pas, par l'année civile que la banque te fait des prêts. C'est par rapport à ça. C'est par l'année civile que tu as une assurance. C'est par l'année civile que les enfants vont à l'école. Donc, ça impacte sur la vie de quelqu'un. Qu'on soit d'accord ou pas, l'année civile agit sur toute la vie d'un homme. Sur ses diplômes, sur son recrutement, sur sa retraite, sur l'assurance de sa voiture. Enfin, sur tout ce que vous avez, même sur vos polices d'assurance médicale, ça agit sur tout. Sur une inscription dans une université, on dit hors délai. 12 avril, c'est terminé, c'est hors de l'année civile. Donc, ce n'est pas juste une date, c'est un cycle. Dites avec moi, un cycle. Et il est important que ce cycle, on puisse l'aborder avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Et je crois que les choses ne sont pas faites juste par hasard. Les choses qui sont faites sont aussi faites parce qu'elles agissent sur nous. Et si un événement, un espace, un temps peut agir sur nous, nous avons l'obligation, ce plan spirituel, d'agir sur cela. En tout cas, je voudrais, en prenant ces paroles, déjà vous dire que Dieu vous donne la longévité. Ouais, depuis quelque temps, quand je prends le micro, je prononce Proverbe chapitre 3, verset 16. C'est écrit dans Proverbe chapitre 3, verset 16. Que Dieu te donne la longévité. Pourquoi elle est importante? Mais parce que c'est dans le laps de temps que tu as à vivre. C'est dans ce temps-là que tu accomplis ta destinée. Un homme, une femme, qu'il ait ou qu'elle ait une grande destinée, si ses jours ne sont pas accomplis, elle passe à côté. C'est pourquoi la première chose que je vous souhaite, que Dieu vous donne la longévité. Que cette longévité puisse dépasser votre attente. Dieu écoute les prières. Je me rappelle des années en arrière, j'ai prié pour mon père, j'ai prié pour ma mère. Et j'avais prié pour un certain nombre d'années. Maintenant, quand je fais le point, je me rends compte que Dieu m'a exaucé. Ma mère, actuellement, elle est très vieille. Je pense même qu'elle cherche la mort, mais nous, on l'a refusée. Actuellement, elle cherche la mort même, parce qu'elle est vraiment vieille. Mais les prières que j'ai faites pour elle agissent encore. Donc, vous voyez, les prières que vous faites, ce que vous déclarez dans votre dans la vie d'un bien-aimé, d'une bien-aimée, ou dans la vie, en tout cas, d'une personne, peut s'accomplir. Je déclare sur vous la longévité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous puissiez chercher la mort. Pas parce que vous êtes de la souffrance, mais parce que votre corps a vécu,
parce que vous avez vu les enfants des enfants de vos enfants. Que cette grâce vous soit accordée. Je déclare encore que Dieu vous donne la santé divine. Parce que si on a longévité, mais qu'on est toujours malade, la vie aura du mal à être savourée comme nous voulons. Et que Dieu vous donne la santé divine dans vos os. Ensuite, quand vous avez la santé, il faut avoir la prospérité. Parce que quand vous avez la longévité, la santé, et que vous êtes dans la misère, dans la galère, ça ne marche pas. Que Dieu vous accorde la prospérité à tous égards. Et que vous puissiez entrer en 2009, en 2019 avec la longévité, avec la santé et avec la prospérité. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cela? J'ai des paroles à déclarer, à des choses dont Dieu m'a parlé, que j'ai captées par son esprit. J'aurai l'occasion de les dire. Et je sais que ça va s'accomplir comme ça s'est fait l'année dernière. Je veux remercier Dieu pour toutes les paroles qu'il m'a accordé de prononcer et qui se sont accomplies parfaitement. Qui était ici le 31 décembre 2017? Qui n'était pas là? Il y a quand même beaucoup de personnes. Ok. Mais Dieu, par sa grâce, tout ce que Dieu a prononcé, ça s'est accompli. J'ai dit des choses sur la nation et ça s'est accompli à la lettre. Et j'ai dit aux frères à ce jour-là que ce que je donne comme information ne vient pas de RFI, ça ne vient pas de France 24, mais ça vient de la station radio-télévision du ciel. Il y a des choses encore que Dieu m'a montrées, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je sais une chose aussi, sur l'église également, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a montrées aussi, que je vais dire. Et en le déclarant, que Dieu envoie ses anges exécuter ce que Dieu m'a montré ou ce que je déclare avec la foi. Mais pour cela, avant cela, on a déjà dit merci à Dieu, mais on ne va jamais suffisamment dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour l'accomplissement de toutes les paroles prophétiques. J'avais annoncé qu'on allait avoir des mariages, j'avais annoncé qu'on allait avoir des enfants, tout le monde. Tout ce que j'ai annoncé, ça s'est déjà fait dans le ciel et ça va s'accomplir. J'ai annoncé également la croissance. Je dis grâce à Dieu. L'homme de Dieu, tout à l'heure, qui a fait l'annonce, a dit qu'on a eu plus de ressources qu'auparavant. Cette année 2019, on aura encore plus de ressources, mais plus de ressources qu'auparavant. Je veux qu'on dise merci à Dieu pour tout cela. Merci à Dieu pour la réussite des programmes, pour l'acquisition des patrimoines. Il n'a pas tout dit. On a acquis deux terrains à Daloa. Plus, il y a une soeur qui est parmi nous ici, qui est à ma gauche ici, qui a offert un terrain à Daloa. Donc, on a fait trois terrains à Daloa. Plus, il y a un frère qui est en face de moi ici, qui nous a offert deux terrains à Suessica. Deux terrains de grande valeur qui peuvent être estimés à 30 millions de francs CFA. Plus une sœur ici nous a offert un terrain de 5000 mètres carrés, un demi-hectare. Ah, au sérieux? Un demi-hectare qui a été offert. Et l'année prochaine, je m'attends à ce qu'on offre plus que ça. Vous savez, quand vous servez Dieu, il touche les cœurs des personnes et vient vous offrir. Est-ce que pour cela, on peut tous tenir debout pour ces dons qu'on a reçus? Beaucoup de frères ont fait des offrandes spéciales. Il y a encore hier qui, dimanche passé, est venu me voir, qui a fait une offrande spéciale de 1 500 000, alors que je n'avais pas lancé d'appel. Et j'ai dit à ce frère que non seulement Dieu te bénit, mais tu vas aller très loin avec cela. Et je crois que pour tous ces dons que Dieu a mobilisés en touchant des personnes qui ont offert des terrains, j'ai même voulu qu'il y ait une soeur qui a offert deux lots à MBP. Elle a offert deux lots. Et on a dû racheter deux autres pour compléter. Non, quand je fais le point, on a reçu des terrains. Didier gratuitement à Daloa, à Suessica, à Songon et dans beaucoup d'endroits. Et je veux que pour cela, on dise merci à Dieu parce que Dieu a été fidèle. Ta fidélité est grande. Non. C'est pas ça. Ta fidélité est grande. Dieu a été fidèle. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour sa fidélité? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour sa fidélité? Il t'a gardé, c'est important de le rappeler à Dieu.
David dit ceci dans 2 Samuel chapitre 22 verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les pieds de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et en jaillissait des chardons abrasés. Il abaissa les cieux et descendit. Il y avait une épaisse nuée sous les pieds. Il était monté sur un chérubin. Il volait et il paraissait sur les ailes du temps, du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Est-ce qu'on peut dire à Dieu qu'il nous a délivrés des flots de la mort? Beaucoup de frères ont senti la mort. J'ai donné mon témoignage quand j'ai parti au Kames à Niamey. Comment pour la première fois de ma vie, je n'ai jamais autant crié. Tous ceux qui étaient dans l'avion, on a su. Dans mon esprit, je me suis dit, j'ai pensé à ma femme, à mes enfants, à l'église. Je me suis dit, ça y est. J'ai crié, oh Jésus, Jésus dans l'avion. Ça s'est passé une affaire de secondes. Je ne sais pas ce qui a pris le pilote. Il est tombé dans un. C'était même pas. Je ne sais pas si c'est un tournée ou bien fait. Dans des circonstances, mais terrible. Pour la première fois, j'ai senti l'odeur de la mort. J'ai senti cela. Le 31 décembre 2017, j'avais annoncé ici, sous cette chaire, que. Les pièges de la mort avaient été évités. Qui s'en souvient? Dieu nous a gardés. Le même Dieu qui nous a gardés en 2018 est le même Dieu qui te gardera en 2019. C'est pourquoi lève ta main et rends grâce à Dieu parce qu'il t'a sauvé des liens de la mort. La mort est l'ennemi le plus dangereux parce que si tu ne vis plus, ta destinée ne peut pas être accomplie. Si tu ne vis pas, ta destinée ne peut pas être accomplie. On va tous mourir. On va mourir vieux. Rassasié de jours, comme Abraham. Il n'est pas question que tu meurs avant ton temps. Dans la fleur de l'âge, ce n'est pas question. Tu peux mourir à 95 ans, 90 ans, d'accord. Mais pas à 50 ans, pas à 45 ans, pas à 32 ans, même pas à 60 ans. Lève ta main vers le ciel et dis merci à Dieu parce que tu m'as délivré des filets de la mort et des flots de la mort. Rends grâce à Dieu, ouvre ta bouche et bénis Dieu parce qu'il t'a gardé. Tu as envie, toi, ta femme, ou ton mari, ou tes enfants et ceux qui t'entourent. Rends grâce à Dieu. Rambawa la chatara. Yes. Yeke namo santara baba baba. Yeke mawolo santara bawa la sata. Père, je te rends grâce. Parce que effectivement, tu m'as délivré du filet de la mort. Pour ce que tu fais pour moi. Tu as délivré mon épouse, mes enfants, du filet de la mort. Tu as délivré les frères, les sœurs d'église du filet de la mort. Tu as délivré plusieurs personnes. Des liens de la mort, que ce soit par avion, que ce soit par la route, par les rails, par les fleuves, dans les relations avec les frères et les sœurs. Tu as été notre Dieu, tu m'as gardé, tu nous as gardé et nous as protégé. Merci Seigneur, les liens de la mort ont été désactivés. Nous te bénissons pour cela Seigneur. Et carabolo shakara ba 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 ba. Deke namo sain deke nama wa sata. Deke namo sata. On peut pas, on ne connaît même pas nos ennemis. Tu ne peux pas le connaître. Celui qui mange avec toi peut te détester. Ton voisin de bureau ou que tu côtoies qui te salue, on peut pas savoir. Si Dieu ouvre nos yeux pour voir les cœurs des hommes. Des gens, ce qui pend de toi. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, il y a des fidèles qui ont trahi leur pasteur, des fidèles qui ont dénoncé leur pasteur, des fidèles qui ont dénoncé leur pasteur.
Vous imaginez un peu, quelqu'un vient à l'église. Il vient à l'église. Il prie. Le pasteur prie pour lui. Et il dénonce le pasteur pour dire lui a fait ça. Vous imaginez un peu, si à l'église, on peut dénoncer un pasteur, le livrer à la mort, ce n'est pas ton voisin qui est païen, qui ne peut pas, qui peut pas. On va prier, on va rendre grâce à Dieu. 2 Samuel chapitre 22, verset 14. Je dis, l'Éternel, ton âme des cieux. Mets à l'écran le passage, s'il te plaît. 2 Samuel chapitre 22, verset 14. L'Éternel, ton âme des cieux. Le Très-Haut vit retentit sa voix. Très bien. Verset 15. Vous pouvez suivre avec moi. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre. Elle est mise en déroute. Verset 16. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Verset 16, 17 maintenant. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit et me retira des grandes eaux. Verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Lève tes mains vers le ciel et rends grâce à Dieu. Parce qu'il t'a délivré des adversaires puissants, des ennemis plus nombreux que tu ne connais même pas. Si tu les connais, tu peux lutter contre eux. Mais ceux que tu ne connais pas, comment lutter contre eux? Ceux qui battent tes hôtels et qui parlent, rends grâce à Dieu. Parce qu'il t'a délivré de tous les méchants et de tous tes ennemis. Et à 2019, il va encore te délivrer. Père, je te rends grâce ce soir. Parce que toute l'année 2018, tu m'as préservé des ennemis méchants. Tu m'as préservé des adversaires puissants. Tu m'as gardé de tout adversaire et de tout ennemi puissant. Tu as préservé mon âme des flèches des ennemis. Oh Dieu, sois béni pour cela. Je te loue pour cette église, pour la vie des frères et des sœurs. Merci d'avoir gardé les frères de toute forme d'activité ennemie. Pour détruire, pour déstabiliser, pour voler, pour anéantir. Oh Dieu, merci parce que tu l'as fait. Et tu le feras encore en 2019. Tu me garderas de tout ennemi. Tu garderas ceux qui sont ici présents ou ceux qui sont absents, mais qui sont en esprit avec nous. Tu les garderas de tout ennemi, de tout adversaire. Oh Karabolo Satarababa. Je déclare sur toi, en 2019, aucun ennemi ne va triompher de toi. Oh, ton âme est faible, ton âme est faible. Je déclare sur toi, aucun ennemi ne va triompher de toi. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu, cette année, j'ai triomphé de tous sortes d'ennemis. Et en 2019, je poursuis mes ennemis. Et je vais les atteindre. Quand j'ai un ennemi, ce n'est pas forcément physique. Il y a des ennemis spirituels. Il y a des ennemis en termes financiers. Tout ce qui vient contrarier ta destinée, elle peut être vu comme un ennemi. Que Dieu, en 2019, t'accorde la grâce de poursuivre tes ennemis et de les atteindre. Qu'en 2019, ils mettent tes ennemis sous tes pieds. Ils mettent des ennemis sous tes pieds. Qu'aucun ennemi ne triomphe de toi. Aucun ennemi n'aura accès à ta vie. Nous sommes en train d'aller vers 2019. Et nous faisons des prières d'anticipation. Afin qu'au cours de l'année 2019, si un homme se place dans un carré fou, ce qu'on appelle dans un hôtel, pour concevoir des projets, tu diras déjà au 31 décembre 2018, le cas a été réglé. C'est pourquoi c'est important d'être en présence de Dieu à la fin de l'année et au début pour prendre possession. On appelle ça une porte. Dis avec moi, une porte. C'est une porte. Automatiquement, ton portable va changer de jour et d'heure automatiquement. Sans que tu le veuilles, c'est automatique parce que le temps agit sur toi. Donc toi aussi tu anticipes. C'est pourquoi on fait des prières d'anticipation. Je déclare qu'en 2019, tous ceux qui vont aiguiser le langue contre toi, je lis,
Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils disent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Pour diminuer un peu le son, s'il te plaît. Merci. Diminuez un peu le son, s'il vous plaît. Merci. Juste au clavier. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Est-ce que vous savez ça? Des gens se fortifient dans leur méchanceté. Que si en 2019, quelqu'un se fortifie dans sa méchanceté contre toi, tout à l'heure, on va régler son cas. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ça existe. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux des traits. Dieu lance contre eux des flèches. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur propre chute. On va dire à Dieu que tout complot dans le monde visible et invisible, dans lequel ton nom sera cité, le nom d'un parent, d'un proche parent ou d'une connaissance, directement ou indirectement, tendant à te toucher, directement ou indirectement, que ces personnes rencontrent les flèches de Dieu. Il faut dire amen. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, tout homme, toute femme, toute entité physique ou spirituelle ou morale qui va se fortifier dans sa méchanceté, qui vont se concerter pour tendre des embuscades, tendre des pièges, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, ils tombent dans leur propre piège. Ils tombent dans leur propre piège. Moi qui ai dit Abraham, il faut dire ton nom. Moi qui ai dit Abraham, je ne tomberai dans aucun piège. Je ne subirai les conséquences d'aucun complot. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu maintenant. Rends grâce à Dieu maintenant. Aucun piège ne va toucher à ta vie. Aucun piège. Aucun piège. À la maison, au travail, au bureau, aucun piège. Aucun complot ne marche contre moi. Aucun complot ne marche contre moi. Parce que Dieu va désactiver tous les complots. Rambawa la chatara baba. Rekendamo satara baba. Yes. Tout ce que tu fais pour moi. Méchants. On appelle ça des prières prophétiques. Avant, on ne connaissait pas ça. C'est pourquoi tu peux avoir peur devant un homme mystique. Mais moi, je les cherche. Il me touche, je le tue. Direct. Mon... Ah! À la guerre comme à la guerre. Mon Dieu me donne la force. C'est pourquoi j'anticipe. J'anticipe. Il faut anticiper. Et les mots que j'ai prononcés, tu as peur. Il faut laisser ça. Des fois, on veut être plus miséricordieux que Dieu lui-même. Dieu a tué Ananias et Saphira. Il a tué le roi Agrippa. Des fois, on est plus miséricordieux que Dieu lui-même. Il y a des gens qui ont juré, vous ne savez peut-être pas, qui ont juré que tant que toi tu vis, ils n'auront pas la paix. Ils ont juré. Si quelqu'un a juré sur la terre des hommes,
c'est un homme, une femme a juré par le ciel, s'il a juré par le vent, s'il a juré par l'eau, par la nourriture, pour toucher à ta vie, détruire ta vie, j'appelle la mort sur sa vie. Faut dire amen. Yabawa kara santara baba baba yekara baba yandara boko sataraba rente kenama. Il y a des gens qui ont vendu leur âme. Vous ne le savez peut-être pas. Il y a des gens qui vendent leur âme. Ils vendent leur âme. Ils vendent leur âme. Ils disent à Satan, prends-moi. Prends ma famille. Ils livrent. Ils jurent. C'est parce qu'on ne connaît pas ce que l'homme est capable de faire. Si un homme sur la terre a juré, s'il a juré de finir avec toi, s'il a juré qu'il va se réjouir par ta chute, par ta pauvreté, par ta misère, je déclare, il tombe dans son plan piège. Yekarabababababababa, yatarabawakata santa, rekarabawakata santa, rekenamo santa, rekarabo satarababa. Ouvre ta bouche et rends grâce à Dieu. Ouvre ta bouche et rends grâce à Dieu. Les anges de Dieu sont là. Ils vont recueillir les prières. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi, franchi. Avant d'ouvrir la nouvelle année, on va dire à Dieu, le Dieu qui est maître du ciel et de la terre, tu vas mettre ta main vers le ciel et tu vas dire à Dieu que tout ce qui te concernait, qui n'a pas été accompli en 2018, toutes les promesses qui n'ont pas été accomplies en 2018, que 2019 enfante des promesses et leur réalisation. On dit à Dieu que tout cycle illégal ou illégitime, les deux mots sont différents, mais bon, peu importe. Tout cycle illégal ou illégitime, toute forme de malédiction, d'incantation, de maladie chronique ou de défaite, meurt avec l'année 2018. Amen. Vous savez, dans l'histoire, l'année 2018 ne va plus jamais revenir. Il n'y aura plus jamais dans ton calendrier, dans ton histoire, il n'y aura plus jamais année 2018. Que l'année 2018 meurt avec tous les échecs, meurt avec les maladies, meurt avec les frustrations, meurt avec les simulations, mais avec les défaites. Rabawakata rabababababa, yekarabolo sataraba. Que tout cycle illégal, tout cycle illégitime, tout ce qui a été défaite, tout ce qui était impuissance, s'arrête et meurt avec l'année 2018. Yekarabolo sataraba,
Rekita karaba ba 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 ba. Ye karabo sataraba. Ye kinamo sataraba. Rekinamo sataraba ba ba. Avec le calendrier, plutôt avec le chrono du service technique. Il est minuit quelques secondes. Et quand il va, quel sera le 1er janvier 2019, on va pousser des cris. Il reste encore quelques secondes, 15 secondes. Il reste 15 secondes. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5 secondes. Voici le nom de l'année 2018. Cette année, à ses premières heures, à cette première minute de l'année, je donne à l'année ma saison pour briller et pour moissonner. Cette année, c'est ta saison pour briller et pour moissonner. Je parle au monde spirituel. Je parle au nord. Je parle au sud. Je parle à l'est. Je parle à l'ouest. Et les anges de Dieu sont dans la salle. Je déclare que c'est ma saison pour briller et pour moissonner. Ma saison pour briller et pour moissonner. Ma saison pour prier et pour moi sonner. Yakaraba wakara santa, keke inamolo santaraba. C'est ma saison pour prier et pour moi sonner. Si tu crois à cette parole que je donne, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a dit à Adam et Ève de donner des noms. Et on nous dit que chaque fois qu'il donnait les noms, c'est ce qui était déclaré. C'est ce qui s'est matérialisé. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a changé les noms des disciples. Il a changé le nom de Pierre. Il s'appelle Simon, il a changé en Pierre. C'est pourquoi Saul est devenu Paul. Les noms changent. Abraham est devenu Abraham. Sarah est devenue Sarah. Les noms comptent. Cette année, je donne à l'année 2019 le nom de ma saison pour briller et pour prospérer. Je vois, on va entrer faire quelque chose. Vous me devancez, apportez vos offrandes. Donne-moi. Je n'ai fait aucun appel pour une offrande, mais j'ai vu que de manière spontanée, vous le faites. Ça, c'est le Saint-Esprit. Apportez vos offrandes. Je n'ai pas demandé à faire une offrande, mais j'ai vu que de manière spontanée, vous le faites. C'est une très bonne chose. Comme Noé, un nouveau cycle a commencé.
venez apporter à l'Éternel vos offrandes d'alliance pour l'année 2019. J'entre dans ma destinée, je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée, j'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, j'entre dans ma destinée. Scène, il faut aussi apprêter l'huile d'onction. Ce sont des actes spirituels qu'on va poser. Des actes spirituels. Mais on va le faire tout à l'heure. Je veux qu'on se calme un peu, on va le faire tout à l'heure. Merci Seigneur. Donc on va poser des actes spirituels très importants. La Sainte Cène, l'huile d'onction, et puis je vais prêcher évidemment. Et ce sont des actes spirituels d'une très grande valeur. À ne pas rater, les enfants seront loin. On va tous prendre cela. C'est Dieu qui a établi la Sainte Cène. Le jour où il fallait juger Pharaon et ses démons, c'est à travers le sang que Pharaon a été jugé. Et le sang a été une marque. C'est pourquoi on prend la Sainte Cène cette nuit. Mais avant ça, permettez-moi de vous donner quelques prophéties. Des choses dont Dieu m'a parlé. Cette année, j'espère que vous suivez, j'ai vu l'obstacle à la prospérité financière être enlevé. Vous qui entreprenez, soyez prêts à recevoir plus de contrats et plus d'ouvertures.
L'animal qui était l'obstacle à, pour que vous passiez à un autre niveau. Vous savez, chaque niveau correspond à une bataille. Il y a des batailles pour 10 000, il y a des batailles pour 100 000, il y a des batailles pour 1 million, il y a des batailles pour 10 millions, il y a des batailles pour 100 millions, il y a des batailles pour 1 milliard. Je ne sais pas à quel niveau de bataille tu es. Mais je te dis, je me tiens sur cette chair et dans cette onction apostolique, je déclare qu'en 2019, tu vas passer à un niveau supérieur de ta prospérité. Je l'ai vu et je le déclare. L'année dernière, j'ai dit que c'est l'année d'une nouvelle dimension. Je peux vous montrer mon portable. On continue à m'envoyer des messages au Gabon pour me dire le nombre de personnes qui ont été guéries. Le pasteur Paul dit, les témoignages de guérison continuent et ça n'a pas cessé. J'ai dit, je n'ai jamais eu autant de guérison dans mon ministère qu'en 2018. Parce que Dieu m'avait dit, c'est l'année d'une nouvelle dimension. Oh Dieu, ajoute grâce sur grâce. Je déclare que c'est en 2019. Il va y avoir une prospérité qui sera étrange. Je ne le dis pas pour que ça soit doux à tes oreilles. Je le dis parce que j'ai vu. En tout cas, je l'ai vu me concernant. Et si ça me concerne, c'est que ça te concerne. Parce que quand Dieu bénit, il bénit toujours à partir de la tête. Il faut dire Amen. C'est-à-dire, tout ce qui s'était opposé ou t'avait résisté pour que tu passes à un certain niveau financier a été dégagé. Les anges de Dieu sont là pendant que je fais mes proclamations. Ça va s'accomplir, il faut dire Amen. Je déclare sur toi, l'argent ne sera plus pour toi un problème. En tout cas, du moins à un certain niveau, tu vas franchir le cap d'un certain niveau. Il faut dire Amen. Je déclare aussi, deuxièmement, l'esprit maléfique qui avait résisté au mariage, cet esprit a été cramé. Ses œuvres ont été brûlées et consumées. Il faut dire Amen. Si moi j'étais toi, je serais debout. Je suis en train de donner les prophéties pour l'année 2019. Vous pouvez les noter. Et ce que je dis, c'est les choses que j'ai vues. Je dis bien, beaucoup de personnes ont reçu des promesses en mariage, de mariage. Mais ces promesses ne se sont pas concrétisées. Je déclare que cette année, ces promesses vont se concrétiser. L'esprit qui était à la base de la non-concrétisation, cet esprit a été vaincu. Et je déclare que toute forme d'opposition au mariage soit détruite. Il faut dire Amen plus fort que ça. Troisièmement, l'année 2019 sera meilleure que l'année 2018. Ça c'est la meilleure prophétie même. 2019 sera meilleure que 2018. Je déclare sur toi, l'esprit de mort ne va pas te rencontrer. J'interdis la mort dans ta vie. La mort par accident. La mort par noyade. La mort par balle perdue. La mort par rébellion. J'interdis cela, il faut dire Amen plus fort que ça. Dans cette église, des hommes de qualité vont venir ici. J'ai vu en esprit des gens riches venir ici. Et ça sera fait. Ça sera fait. Apprêtez-vous à accueillir des personnes que vous ne connaissez même pas. Parce que cette maison, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison d'un homme ou d'une femme. C'est la maison de Dieu. C'est une église qui reçoit tout le monde. Il faut dire Amen. Des hommes politiques, des hommes politiques, peu importe. Tous ceux qui viendront ici viendront parce que Dieu les aura attirés. Ils ne viendront pas à cause de tes yeux. Ils viendront à cause de Dieu. Que tu regardes mal ou pas, c'est ton problème. Je dis ça pour que vous soyez prêts. Lui aussi vient à l'église. Ah bon, c'est pas un homme. Dieu ne l'a pas créé à son image aussi. On sera surpris au ciel. Cette année, j'annonce qu'il y aura des guérisons et des délivrances. Les guérisons et les délivrances vont se multiplier. Dans ma montre du ministère, je suis à 12 heures. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Dans la montre de mon ministère, je suis à midi. Dieu fait briller mon ministère et il le fait moissonner dans le ciel de la Côte d'Ivoire et dans le ciel du monde. Yes! Yes! S'il le fait pour moi, il le fait pour toi. S'il le fait pour moi, il le fait pour toi. Tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu une trompette. Donne-moi le son de la trompette. Je suis en train de prophétiser et je crois aux paroles prophétiques que je donne. J'ai vu le prophète. Dieu fait briller sa face sur toi.
Il fait briller sa face sur toi. Il fait briller sa face sur toi. Plus fort que ça. Merci pour ta face qui brille sur la vie. Merci pour la moisson surabondante. Cette année, tout ce que tu as semé, tu vas le moissonner. Tes efforts ne seront plus des efforts inutiles. Tes efforts ne seront plus des efforts vains. Rien ne va détruire tes semences. Tes semences vont pousser. Tes investissements vont donner. Parce que cette année, c'est l'année au cours de laquelle tu vas moissonner. Oh Dieu, merci pour cela. Amen. Il y a un mais je vais être sage. Il y a toujours un projet maléfique contre une autorité dans cette nation. Un projet mauvais. Si se réalise, ce n'est pas mon propre pour la Côte d'Ivoire. Ça persiste. Je ne l'ai pas dit à quelqu'un. Je sais qui est visé. Si ça se réalise, on est foutu. On va les bénir vers le ciel. On va dire à Dieu que ce projet de mort contre une personne si importante dans cette nation n'ait jamais lieu. Père, je me tiens sur cet autel. Toi qui m'as montré cette personne et le projet contre sa vie. Que ce projet maléfique n'ait jamais lieu. Que ce projet maléfique avance. Que ce projet maléfique avance et que cette nation soit préservée. Ouvre ta bouche et dis à Dieu de nous préserver de ce projet maléfique qui vise une seule personne. Et si ce projet réussit, on est parti pour quelque chose de dangereux. Que ce projet n'ait pas lieu. S'il réussit, ce projet, on est parti pour des mois difficiles. Que ce projet n'ait pas lieu. Demande à Dieu que ce projet n'ait pas lieu. Il persiste depuis 2018, mais il persiste encore en 2019. Que ce projet ne se réalise pas. Que ce projet de mort ne se réalise pas. Qu'il soit désactivé complètement. Père, merci parce que tu le fais. Père, merci parce que tu le fais. Père, merci parce que tu le fais. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne ferai pas comme les jeunes pasteurs qui vont sur Facebook et qui veulent se faire connaître. Mais ce que je vis n'est pas bon. Je parle d'un projet qu'une seule personne. S'il a lieu, ce n'est pas bon. Mais Dieu nous aime. Et je prie Dieu que ce projet n'ait jamais lieu. Et je sais qu'il n'aura pas lieu. En tout cas, je veux qu'il n'ait pas lieu. Et si on a associé nous deux, nous trois, nous cinq, nous six, nous 500, 600, 700, je ne sais pas combien nous sommes, et qu'on s'associe, ce projet n'aura pas lieu. Et Dieu va garder ce pays. Tu es d'accord avec moi? On va prier pour la Côte d'Ivoire. On va prier pour les autorités qui sont en place. On va prier pour les autorités qui sont dans l'opposition. On ne fait pas les politiques, mais Dieu dit prier pour les autorités. On va prier, on va demander à Dieu que ceux qui sont établis là, ceux qui sont au pouvoir, que Dieu leur donne la sagesse pour prendre les décisions dans l'intérêt de la nation. Ensuite, on va prier pour ceux qui sont dans l'opposition, que Dieu leur donne la grâce et la sagesse également pour s'opposer. Et si leur tour arrive aussi, que leur tour arrive. Comme ça, au moins, on ne dirait pas que j'ai prié pour contre quelqu'un. Ben, les chrétiens, les gens, souvent, ils sont mauvais. Ils en rient, ils vont sur Facebook. Moi, est-ce qu'on m'a dit non, de quelqu'un? Non. Lève ta main vers le ciel et disons à Dieu que ceux qui sont au pouvoir, que Dieu leur donne la grâce et la sagesse de prendre des décisions dans l'intérêt de la nation. Je ne dis pas de les aimer ou de ne pas les aimer, je ne parle pas de ça. Je dis de prier pour que Dieu leur donne la grâce et la sagesse de prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions. On appelle ça en droit des décisions dans l'intérêt général. Intérêt général. Seigneur, je prie pour les autorités politiques. Pour le chef de l'État, pour le premier ministre, pour le vice-président, pour le président de l'Assemblée nationale,
le président de la Cour suprême, le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil économique et social, pour toutes ces personnes, pour les ministres d'État, les ministres ordinaires, tous ceux que tu as élevés en dit dans cette nation, que tu as élevés, Seigneur, ceux qui sont établis, parce qu'on ne peut pas arriver au pouvoir sans que tu l'aies voulu et accepté. Père, je prie que tu leur accordes une sagesse, une intelligence spéciale, afin de prendre les bonnes décisions dans l'intérêt général et que cette nation arrive à destination. Oh Dieu, que tout ce qui peut venir contrarier ces projets, ces bons projets, ne soit pas accompli. Oh Dieu, garde-les de prendre des mauvaises décisions et aide-les à prendre des bonnes décisions, des décisions courageuses dans l'intérêt général, dans l'intérêt commun. Je te remercie parce que tu le fais. Dans le nom de Christ Jésus, il faut dire Amen. Ensuite, on va prier pour ceux qui sont dans l'opposition. Bon, il y a deux grandes familles. Il y a le PDCI, il y a le FPI. Ceux qui sont au pouvoir, c'est le RHDP, tout ce que vous voulez. On va prier Dieu pour que Dieu donne à ceux qui sont en opposition la sagesse et l'intelligence également de prendre des bonnes décisions, de poser des bonnes actions dans l'intérêt général. Lève tes mains vers le ciel et demande ça à Dieu. Père, je te remercie pour ceux qui sont en opposition. Vous pouvez citer Bédi, vous pouvez citer Babou, vous pouvez citer tout ce que vous voulez qui sont en opposition. Et demander à Dieu de leur faire la grâce de pouvoir poser bonnes actions dans l'intérêt général. Père, je prie pour ces hommes, ces femmes d'opposition, que tu les gardes et tu les protèges, les sécurises. Que tu les sécurises et qu'ils prennent des décisions qui mènent lutte dans le sens de l'intérêt général. Je te remercie parce que tu le fais. Que la gloire te revienne, Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus, Amen. Amen. On va s'asseoir. Pourquoi l'année est appelée l'année, c'est ma saison pour prier et pour moissonner. On va finir avec la Sainte Cène et avec l'huile d'onction. Dans ma vie personnelle, j'ai vu que cette année 2019 est une année importante pour moi. Je me suis converti quand j'étais enfant à l'école primaire, en 1979, je n'étais pas encore né. À l'école primaire. C'est là que je me suis converti. Ça fait 40 ans. En fait, j'ai passé toute ma vie avec Dieu. C'est pourquoi cette année 2019 est une année importante pour moi. Parce que 40 ans, c'est un chiffre en Israël. C'est la fin d'un cycle. Et c'est le début d'un nouveau cycle. La fin d'un cycle. Le début de nos cycles. Et c'est en 1999 que j'ai été ordonné pasteur. Par mon père, excusez-moi, Mandou Karambili. En 1999. Donc, nous sommes en 2019, ça fait combien d'années? 20 ans. Ça veut dire, dans mon horloge spirituel, je suis au commencement d'un nouveau cycle qui sera plus grand, plus glorieux que l'ancien cycle. L'ancien cycle a été caractérisé par l'appel, par la révélation, par l'établissement et par la reconnaissance. Ce second cycle va être caractérisé par le fait de briller et de moissonner. Et je déclare que ces choses vont arriver à toi. C'est pourquoi je vous parlerai de la vie de Joseph de manière prophétique. C'est un message prophétique. Saisissez-le. Et ce message prophétique sera scellé par la Sainte Cène et par l'onction d'huile. Et si tu crois ces paroles, elles vont arriver. La vie de Joseph a connu trois phases. La première phase, c'est la phase de la vision de la révélation de Dieu. La deuxième phase, c'est la phase du positionnement sur le chemin de la grâce. La troisième phase, c'est la réalisation de la vision. Et ces trois phases sont prophétiques. La première phase de la vie d'un homme, c'est les révélations, les visions que la personne a. Et Joseph, à l'âge de 17 ans, a reçu deux visions, une vision. C'est la même vision qui s'est répétée. D'une manière ou d'une autre. La vision indiquait clairement que Joseph serait élevé au-dessus de ses frères. Et par manque de sagesse, Joseph a raconté son songe à ses frères. Et Joseph a été combattu. Je dis à un frère, à une soeur qui est présent ici, si Dieu t'a accordé des visions, si par songe, par révélation de plusieurs personnes qui ne se sont pas concertées, et qu'on dit la même chose te concernant, et tu as reçu la confirmation dans ton cœur, dans ton esprit, c'est que Dieu t'a parlé. Amen. Et il faut rester concentré
sur ce que Dieu t'a communiqué. Il peut y avoir des circonstances qui peuvent te distraire d'une manière ou d'une autre. Et dans le cas de Joseph, ses propres frères l'ont combattu. Ceux que nous combattons et nos ennemis, ce n'est pas toujours les gens qui ne nous connaissent pas. C'est ceux qui nous connaissent. C'est ceux qu'on côtoie qui vont dire, mais elle aussi, tu es sûr que toi, tu vas arriver à ce que tu as dit. Tu vas y arriver. Et c'est pourquoi dans cette année qui commence, la vision que tu as reçue va s'accomplir. Mais cette vision s'accomplit d'abord en passant par les phases d'humiliation. Frères et sœurs, demandez à tous ceux qui ont été bénis à ce niveau, demandez-leur. Ils vont vous rencontrer qu'ils sont passés par des phases d'humiliation. Je ne sais pas si c'est un processus normal, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Joseph a été vendu par ses frères. Il a été vendu deux fois. Par ses frères et ensuite vendu par les Ismaélites chez Potiphar. Il se peut peut-être que dans la vision que tu as, tu subisses des complots, des critiques. Ça peut lier à la vision du ministère. Des gens que tu aimes, ceux qui tu comptes, peuvent te critiquer, te dénoncer. Et tu peux être déçu par ces personnes. Mais si tu regardes à leur attitude, tu ne vas jamais arriver à ta destinée. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Votre amour t'amène est bizarre. Joseph a raconté sa vision. On dit, ok, on va voir. Ce n'est pas tout le monde qui veut te voir réussir. Parce que l'homme, naturellement, est rempli de jalousie. Moi, quand je vois quelqu'un qui est plus élevé que moi, pour que mon cœur ne soit pas jaloux, je me mets à prier pour lui. C'est le secret. Je reprends mon français. Quand tu vois quelqu'un qui est élevé dans le domaine dans lequel tu es, pour que tu ne sois pas jaloux, il faut dire, oh Dieu, je te prie, bénis-le, garde-le, protège-le. Comme ça, l'amertume, la jalousie que Satan était en train d'injecter en toi va être évacuée par la prière que tu fais en sa faveur. Donc, quand tu as une vision à réaliser, comme je viens de le dire, il est possible que tu passes par des phases de trahison, de complot, d'embuscade. C'est possible que tu sois vendu. Que ta dignité, être vendu esclave, être comme esclave, c'est perdre une partie, du moins perdre sa dignité. C'est possible que par les critiques, tu perds ta dignité. Qu'est-ce qu'on peut faire devant un mensonge qui est bien monté? C'est difficile. Un mensonge qui est répété 100 fois devient une vérité apparente. Parfois, c'est difficile de remonter la pente. La seule prière que tu peux faire, dis à Dieu, c'est toi seul qui peux me faire justice. Que Dieu te fasse justice. Il faut dire amen. Joseph va passer aussi par une phase de désillusion. Après la phase de l'humiliation, il va passer par une phase de désillusion. C'est quoi la désillusion? Quand Joseph sera établi comme chef chez Potiphar, Joseph avait cru qu'il était arrivé à destination. La transition de la vie d'un homme cause un grand tort. Des fois, on a tellement du mal à croire qu'on peut atteindre sur le sommet que quand on arrive au milieu, on se dit ça y est, ça me suffit. J'espère que je me fais comprendre. Dieu te montre quelque chose de très grand. Et tu arrives à un mi-chemin et tu te dis, mais ça c'est super. Joseph, ce Potiphar, était à l'aise. Il avait changé de statut. Il n'était plus vraiment esclave. Il était devenu le gestionnaire des biens de Potiphar. Donc, il n'est plus vraiment esclave dans le sens plus du terme. Il était devenu collaborateur. Puisque Potiphar lui avait cédé la gestion de toutes ses affaires. Et il s'en contentait. Des fois, on se contente du transitoire. Mais le transitoire n'est pas le définitif. Frère, c'est si Dieu t'a parlé. Il a promis qu'il te bénirait, qu'il t'établirait. Ne te contente pas du transitoire. Rends grâce à Dieu et dis à Dieu, je regarde vers la fin. Parce que la fin va arriver. Et des fois, on arrive à des situations de désillusion. Pour que Joseph ne meure pas chez Potiphar, il va y avoir une situation difficile. L'enfant de Potiphar va avoir envie de lui. Tout semblait prêt pour que Joseph tombe dans le panneau. Frères et sœurs, il y a des plaisirs auxquels il ne faut jamais céder. Si tu as sur ta vie un appel dans le ministère, dans les affaires, dans la politique, je ne sais pas, au niveau universitaire, une carrière quelconque, politique dans ta région, dès que tu sens que tu aspire à des tâches plus élevées. Il ne faut jamais accepter de compromis parce que ce que tu as fait comme compromis, demain va te condamner. Et c'est pas à quelqu'un.
vous amène ont disparu parce que peut-être un temps, vous avez déjà frotté avec les compromis. Que Dieu ait pitié de toi. Quand tu as une grande destinée, il ne faut pas céder au compromis. Parce que ce que tu as fait comme compromis, demain va te condamner. Aujourd'hui, les fichiers ne disparaissent pas. On met ça sur iCloud. Tu connais iCloud, non? Je mets ça sur iCloud. Et quand ça arrive, on sort le fichier. Si tu as un appel pour quoi que ce soit, il ne faut jamais accepter de compromis. En 2019, il y aura des possibilités de compromis. Il ne faut pas céder. Dis à ton voisin, il ne faut pas céder. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit à Joseph, tu serais élevé sur toute la terre. Pourtant, Joseph se contentait d'être élevé chez Potiphar. C'est pourquoi Dieu a permis que la femme de Potiphar ait envie de lui. Et comme Joseph a refusé de céder à la tentation, Joseph a été jeté en prison. On l'a accusé de viol. En droit, on sait que le viol est connu comme un crime. La tentative vaut l'acte. Ça, c'est les leçons de deuxième année de droit. C'est du béaba, ça. La tentative vaut l'acte. Et Joseph est condamné en prison. Moi, je me suis demandé, comment se fait-il que le viol, qui est un crime, dans un état qui, à l'époque, ne connaissait pas les droits de l'homme, pourquoi Joseph n'a pas été tué par Potiphar? Il a dit, pourquoi il n'a pas été tué? Il ne pouvait pas le tuer. On ne peut pas tuer un homme qui a en lui une vision d'une destinée grande. Aucun complot audit par l'ennemi ne peut jamais te tuer. Même quand Joseph était en prison avec sa vision, il dormait avec sa vision. Quelle que soit l'étape transitoire par laquelle tu vas passer, ta vision va demeurer le même. Oh Dieu, ton amour ne change pas, tu restes le même. D'éternité tu es Alpha, Omega. Oh, ce soir je parle à quelqu'un qui a en lui une destinée. Ta destinée ne sera pas tuée. Aucun complot ne va tuer. Je suis en train de prophétiser. Ta destinée ne sera pas tuée par qui que ce soit. Vous dites Amen. Change pas, tu demeures le même, tu demeures le même, Dieu d'éternité, tu es Alpha, Alpha, Omega, Omega, commencement et fin, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, oh Dieu. Pour le message sur la Sainte Seine. Joseph est conduit en prison. Ça fait la troisième au moins humiliation. Sur le chemin de l'accomplissement de la vision de Dieu, il y a le chemin des humiliations. N'oubliez jamais ceci. Humiliation, illusion et désillusion se côtoient. Pour qu'il y ait réalisation de la vision, on passe des fois par le chemin des humiliations, des illusions perdues, des désillusions. Mais c'est l'antichambre à la réalisation de la vision. Cet homme est jeté en prison. Et c'est en prison qu'il rentre en contact avec les conseillers de Pharaon.
je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais je sais que tu vas entrer en contact avec des personnes. Pendant ton temps d'humiliation, il y a des hommes que tu vas côtoyer, des femmes que tu vas côtoyer. Et ces personnes vont te mettre sur le chemin de ta rédemption. Sur ton chemin de la grâce qui te conduit à l'accomplissement de ta destinée prophétique. Il faut dire Amen. Si je n'étais pas en prison, n'allais pas rencontrer les conseillers de Pharaon. Des fois, la prison est nécessaire. Bon, pas forcément la prison marquant, hein. Mais je parle des prisons, comme vous voulez. Gens en situation difficile, enfermement, tu as du mal à t'en sortir, tout le reste. Et c'est en prison que Joseph est appelé. C'est de la prison qu'il a été appelé. Les bonnes nouvelles ne viennent pas seules. Cette année, tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Dans ta prison, au fond du gouffre où tu doutes, où tu penses que tu as été trahi, des hommes et des femmes avec lesquels tu comptais, qui t'ont trahi, là, tu vas retrouver le chemin de la grâce de Dieu. C'est là que je vais t'appeler. Les bonnes nouvelles ne viendront pas sur cette année. Mais ce n'est pas tout. Joseph est sorti en hâte de la prison. Il est sorti en hâte. On appelle ça délivrance inattendue. Je déclare sur toi, ta délivrance sera inattendue. Des portes de la prison, Joseph a été rasé. On l'a rasé. Ça veut dire qu'on ne le rasait pas. Il a été rasé. On l'a rasé. On a rasé sa barbe. C'était inattendu. Joseph a changé d'habit. On lui a enlevé les habits de prisonnier et il a porté des habits de prince pour un rendez-vous princier. C'était inattendu. Cette année, tes vêtements vont changer. Amen. Joseph a été reçu par Pharaon. C'était inattendu. Joseph a échangé avec Pharaon. C'était inattendu. Joseph est devenu l'espoir de Pharaon. C'était inattendu. Que cette année, d'une manière inattendue, tu rencontres des personnes qui vont te faire prier et moissonner. Je suis en train de prophétiser. Cette année, en recevant la parole que je suis en train d'annoncer, tu vas rencontrer des gens qui vont te faire briller, qui vont te faire moissonner. Ta surprise sera grande. Et Dieu va accomplir pour toi la parole qu'il a proclamée. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen plus fort que ça. Amen. Lève-toi maintenant. On va passer à la scène. Autant que tu viens. Et je te donnerai le message. Donne la suite du message. Donne le micro. Et je reviendrai. On se prépare. J'espère qu'il y a assez de verre. Et je reviens tout à l'heure. Alléluia. Nous allons prier. Continuez à prier toujours. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui a déjà été annoncée ici par notre Père. Pour cette sainte, Seigneur, nous prions que ta parole puisse atteindre son objectif au nom de Jésus. Amen. Notre exhortation pour la Sainte Seine en ce soir est tirée du livre de Jean au chapitre 11, les versets 38 au verset 44. Je vais résumer l'histoire. Et nous allons prier pour la Sainte Seine. La mort de Lazare était consommée. Il avait été mis au tombeau. Et devant ce tombeau, il y avait une pierre. Jésus, le Fils de Dieu, le Prince de vie, arrive et demande que la pierre soit ôtée. Nonobstant l'incrédulité de Marthe, la sœur de Lazare, la pierre est ôtée. Jésus, avec la puissance qu'il a, demande à Lazare
de sortir. Mais avant de réaliser ce miracle, il lève les yeux vers son père parce qu'il sait qu'avant d'être physique, la victoire est d'abord spirituelle. Chose remarquable, le Seigneur associe les hommes à l'œuvre qu'il accomplit. Là, il dit « Déliez-le ». Déliez-le parce qu'il veut rendre l'homme participant. Il ne veut pas accomplir les choses sans notre volonté. Voici que, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous étions morts. Nous sommes venus à la vie en venant en Christ. Mais comme Lazare, il peut encore persister des bandelettes qui nous relient, des bandelettes qui attachent nos mains, qui attachent nos pieds. À prendre une décision. Il s'agit ici de prendre une décision et de changer radicalement ta façon de faire. David l'a fait, il s'est débarrassé de cette cuirasse parce qu'elle le rendait un peu lourd. Toi aussi, tu vas te lever, tu vas prier et puis tu vas te débarrasser de toutes ces formes de péché que tu continues encore à entretenir pour être libre de servir le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Tu n'es pas seulement chrétien à l'église, mais tu dois être aussi chrétien dehors. Tu dois être chrétien dans ton foyer. Tu dois être chrétien dans ton service. Lève-toi et nous allons prier. Nous allons prier pour que, comme papa l'a dit en début de cette année, que nous puissions laisser tout ce qui nous rend lourd, tout ce qui nous empêche véritablement d'adorer notre Seigneur. Je vais appeler le service de la Sainte-Seine et nous avons continué à prier. Nous allons prier parce que il faut que tu t'examines avant de prendre Sainte-Seine. Tu t'examines et que tu vois véritablement si tu es décidé à abandonner tout ce qui est considéré comme bandelette. Lazare avait encore les mains liées. Il avait encore les pieds liés. Il avait un linge qui l'empêchait, qui l'enveloppait, qui l'empêchait de voir, peut-être même d'entendre la voix du Saint-Esprit. Toi aussi, moi aussi, nous sommes peut-être dans cette situation. Mais ce soir, tu vas te décider. Tu vas te décider de te séparer du péché. Tu vas te décider de te séparer de tout ce qui t'empêche d'être véritablement au service du Seigneur. Continuons à prier. Seigneur, merci parce que tu as permis que je sois là. Tu as permis que j'apporte cette parole en ces lieux. Il y a une sœur, il y a un frère qui peut-être avait besoin de cette parole. Même si ce n'est pas pour tout le monde, Seigneur. Mais toi, tu as choisi cette personne. Que cette parole produise des effets dans la vie de cette personne. On peut commencer à partager. Que cette parole produise des effets dans la vie de cette personne. Le Seigneur ajoute, laissez-le aller. Celui qui est libéré du péché et de la mort retrouve la liberté en Christ. Retrouvez en ce début d'année 2019 la liberté en Christ. Que les choses ne se fassent pas par pression, mais que vous puissiez vous-même vous débarrasser de toutes ces choses qui vous rendent lourdes, qui nous empêchent véritablement de servir dans la maison de Dieu. Nous ne servons pas ici un homme, mais nous servons le Dieu à qui appartient le ciel et la terre. Que cette année 2019, tu puisses véritablement te confier à Dieu, que tu puisses véritablement être sincère et t'attacher à cette parole qui va te donner la liberté. Ce sont mes voeux pour toi en cette année 2019. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Tu vas refuser de te séparer de Dieu, mais tu vas plutôt opter pour te réconcilier avec ton Dieu. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur. Tu ne peux pas le faire toi seul. Tu ne peux pas te le faire avec tes forces. La preuve, toute l'année 2018, tu as pris des bonnes résolutions.
Mais quand tu es arrivé au 31 décembre, tu t'es rendu compte que ce n'était pas facile, que rien n'avait été fait. Mais aujourd'hui, tu te lèves, aujourd'hui tu prends une décision, tu te sépares de tout ce qui n'est pas utile pour toi. Tu vas encore prier et tu vas demander au Seigneur, c'est vrai que je viens à l'église, c'est vrai que je suis né de nouveau, mais est-ce que les bandes comme Lazare ne sont pas encore ne sont pas encore dans mes mains, les bandes ne sont pas encore à mes pieds, le linge n'est pas encore enveloppé sur mes yeux et mes oreilles, en m'empêchant d'entendre la voix du Saint-Esprit, m'empêchant de voir dans quelle direction il me demande de marcher. Tu vas encore prier, tu vas encore prier pour cette année 2019. Tu veux te séparer de tout ce qui est inutile. Tu veux te séparer de tout ce qui t'empêche d'avoir une communion avec ton Dieu. Tu vas le reconnaître. Il n'y a pas de honte à ça. Nous tous, nous sommes passés par là. Nous tous, nous sommes là. Nous prenons des décisions, mais nous ne les accomplissons pas parce que nous voulons les faire par nous-mêmes, avec notre propre force, avec notre intelligence. Mais en cette année 2019, tu décides d'avoir la réaction de Jésus, qui devant la situation, il cherche d'abord la solution spirituelle avant de chercher la solution physique. Que cela soit ton partage pour cette année 2019. Que tu cherches d'abord les victoires au plan spirituel et non de chercher, donc, quand il y a une situation, quel est le tonton, quel est l'ami, quel est le frère, quelle est la sœur qui peut m'aider, qui peut faire avancer mon dossier. Mais lorsque tu vas élever tes mains vers le Seigneur, lui-même, il mettra des hommes, des femmes sur ton chemin pour déposer ce dossier, pour te donner ce marché. Tu n'as pas besoin, comme l'a dit Papa Gadi, de te compromettre. Tu as besoin simplement de faire confiance en ce Dieu. Que son nom demeure grand dans nos vies et que en cette année 2019, nous prenons les décisions et que nous restons fermement attachés à ces décisions. Au nom de Jésus. Amen. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Ta sainteté. Ta sainteté. Tu
bénissons ton nom. Rends grâce à Dieu pour ce message sur la Sainte Seine. Tu es concis, précis et puissant. La pierre devait être dégagée avant que Lazare ne sorte. Pas de compromis, si on veut voir Dieu agir. Voici en deux phrases le message docteur Kunze. Dis à Dieu que c'est de toi qu'il s'agit. Il y a des choses à régler pour que toutes ces belles prophéties soient accomplies pour toi. Rends grâce à Dieu pour ce message. Et bénis Dieu aussi pour la Sainte Seine que tu prends. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci pour la Sainte Seine. Nous scellons ces paroles. Nous disons qu'elles soient accomplies pour nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. On va passer à un deuxième acte spirituel. Ah, je pense que c'était fini. Je pense que c'était fini. C'est pas fini. Donc continue alors. Continue à chanter. Parce que je pense que c'était fini. Avec toi, je veux aller plus loin, plus loin, plus loin. Passer à un deuxième acte spirituel. Je veux le dire, ce que nous prenons à l'église, ce n'est pas juste parce qu'on veut, ce sont des actes spirituels importants. On a pris la Sainte Seine, on va maintenant passer au service d'onction d'huile. L'huile représente la présence et la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes là au 1er janvier 2019 et nous entrons dans cette année avec le sang de Jésus-Christ et le pain et la chair de Christ, et nous utilisons maintenant l'huile d'onction. Chacun va se oindre. On va passer à la troisième phase de la vie de Joseph. C'est la phase de la réalisation. Joseph est nommé premier ministre. Il est établi comme premier ministre. Il est marié à la fille de Pharaon. Et Joseph va commencer à prier. Les parents vont voir les chars de Joseph. Et sa famille sera établie dans la meilleure partie de l'Égypte. Joseph va gérer tout l'argent de l'Égypte. Et Joseph va être rassasié de jour et mourir à 110 ans. Ça va t'arriver. Après les révélations et les visions, les phases de l'humiliation, les phases des illusions et les phases des désillusions.
Mais si tu refuses les compromis, comme il dit Dotakunze, et que tu continues à croire la parole de Dieu, tu seras surpris que au fond du trou, tu rencontres des personnes qui vont justement te conduire vers le chemin de ta destinée. Il faut dire amen. Oh, je prie Dieu que ce que je suis en train d'annoncer ici t'arrive en 2019. C'est pourquoi. Laisse. Je vais le préciser. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois ici. C'est juste de l'huile d'olive. Tout comme ce qu'on appelle comme vin, c'est juste du jus de raisin. Le pain, c'est le pain qu'on utilise dans les restaurants pour shawarma. Mais dès lors qu'on se met à prier et qu'on prie, ce n'est plus juste du pain qu'on prend. Ça devient la chair de Jésus. Quand on fait la prière, ce n'est plus juste du vin qu'on nous prenons. Nous prenons le sang de Jésus. La même chose pour l'huile. La même chose pour l'huile symbolise la présence et la puissance du Saint-Esprit. Quand tu vas faire l'application de cette huile sur ta tête, sur tes enfants, s'ils sont là, dis à Dieu, comme Joseph, fais-moi prier et fais-moi moissonner. Notre foi peut nous conduire très loin. La foi, c'est exactement comme à l'école primaire. Vous avez affaire au même instituteur. Pourtant, il y a un premier et il y a un dernier. Au collège, les mêmes professeurs. Il y a un premier, il y a un dernier. À l'université, les mêmes professeurs. Il y a les premiers, il y a les derniers. Tout dépend de l'attention qu'on accorde. Les mêmes professeurs dans le même lycée. Même lycée, même enseignement. Il y en a qui sont premiers, il y en a qui sont derniers. C'est la même chose dans l'église. Il y en a qui croient et qui reçoivent. D'autres ne croient pas et ne reçoivent pas du tout. Ce n'est pas que le professeur n'est pas bon. C'est la personne qui n'a pas suivi correctement. Je vous le promets, Dieu n'a pas changé. J'ai dit à ma femme ce matin, il y a deux mots clés. Prier et moissonner. Ça va s'accomplir cette année 2019. Ça va s'accomplir en cette année 2019. Il y a plusieurs façons de briller. Il y en a qui vont briller comme le soleil, comme les étoiles, comme la lune. Mais peu importe, tu vas briller. Et briller suppose que la lumière du Christ va briller sur toi. Ça suppose aussi que tout ce qui est ténèbre dans ta vie ou autour de toi va disparaître. De la même manière, il est impossible que les ténèbres côtoient la lumière. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Selon les physiciens, selon les professeurs de physique, il semblerait que les ténèbres n'existent pas. Que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est tout. Je ne sais pas si quelqu'un a fait physique ici, mais renseignez-vous. Les ténèbres, là, c'est l'absence de lumière. Mais ta lumière va briller par l'onction d'huile. Accorde l'onction sur ta tête. Tu vas briller en 2019. Tout ce qui est ténèbres sur ton chemin va disparaître. Quand tu sors de ce lieu, sache que tu as été oint. Sache que tu as été oint en 2019. Tu as été oint pour prier. Tu as été loin pour moissonner. Si tu agis dans la parole de Dieu et que tu marches avec la parole de Dieu, tu vas prier et tu vas moissonner. C'est pourquoi mets-toi debout, on va prendre maintenant. J'ai déjà fait la prière, Seigneur. Je demande au pasteur, donc venez s'il vous plaît. Ce n'est pas suffisant, il faut enlever beaucoup d'assiettes. Ce n'est pas suffisant. Non, je vais d'abord remplir. Bon, donc venez alors. Seigneur, je crois à ta parole. L'onction brise le souk. Par la raison de l'onction, tu fais briller ta face sur tes enfants. Par la raison de ton onction, que cette année soit la saison pour briller et pour moissonner. Quand cette huile qui est l'huile d'onction va être appliquée sur la tête d'un frère et d'une soeur qui croit ta parole, que ça soit la saison au cours de laquelle il va briller et il va moissonner. Père, merci. Partout où va arriver cette huile, que ton onction se manifeste. Partout où va arriver cette huile, que ta face brille et scintille sur la vie des frères et des sœurs. Que ceux qui ne moissonnaient pas puissent moissonner.
Que ceux qui ne priaient pas puissent prier. Que ceux dont la lumière a été éteinte dans plusieurs conditions. Que ceux qui étaient humiliés, comme Joseph au fond du trou, que par la raison de l'onction, ils apparaissent à la lumière. Oh Dieu, ta parole est vraie. Je te remercie parce que tu le fais. Au nom de Jésus qui nous arrête. Amen. La soeur, vas-y. La soeur, Rebecca, vas-y. Que notre roi soit glorifié. C'est déjà fait, très bien. Non, ne va pas à ta place, on reste, voilà. Par la raison de l'onction, Joseph a brillé dans sa génération. Je déclare sur toi, en 2019, tu vas briller. Joseph a été promu de manière inattendue. En 2019, reçois ta promotion de manière inattendue. Joseph a été établi de manière inattendue. En 2019, sois établi dans beaucoup d'aspects de ta vie.
soit établi à gauche, établi à droite, établi devant et derrière. Que tout lieu que tu vas parcourir, tu sois établi. Joseph a eu une fille en mariage. C'était la fille du roi d'Égypte. Même dans sa plus grande folie, n'allait jamais imaginer marier la fille de l'homme le plus puissant à l'époque. Que Dieu t'établisse dans des cours royales. Que Dieu t'établisse dans des cours royales. Par la raison de l'onction, que tu sois établi dans les cours royales. Joseph a prié. La Bible déclare que ses parents, son père Joseph, Jacob ne croyait pas. Je veux que tu restes concentré. On est prophétique dans nos prophéties. Son père ne croyait pas. On a dit à son père, on n'a pas le temps de lire, mais c'est dans la Bible. Genèse chapitre 47. C'est dans la Bible. 45, verset 27, verset 28. On a dit à son père, ton fils Joseph est élevé. Il n'a pas cru. Mais quand Jacob a vu les chars, quand Jacob a vu les chars de Joseph, il est dit que l'esprit de Jacob a repris vie. Que Dieu fasse en sorte qu'en 2019, tes parents, tes amis voient tes chars. Ils vont parler, ils vont croire. Mais en voyant tes chars, en voyant ta gloire, ils vont croire que Dieu t'a élevé. Je déclare sur toi, en 2019, tes chars seront visibles. 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 Des hommes et des femmes vont composer avec toi. Ceux qui te méprisaient, ceux qui ont dit, mais celui-là a été vendu, ce sont les mêmes personnes qui sont venues coopérer avec Joseph. Je déclare sur toi, par la raison de l'onction, il va y avoir un changement de l'ordre du jour. Le rejeté, l'homme humilié, l'homme vendu comme esclave est devenu leur chef. Par la raison de l'onction, que Dieu t'établisse sur tes frères et tes sœurs. Yamba wakatara baba baba yekarabolo satara. Que Dieu t'établisse sur ceux et celles qui t'ont vilipendé, qui t'ont moqué. Que Dieu t'établisse comme chef et roi sur leur tête. Vous savez, Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Même en Afrique, on a connu l'humour de Dieu. Dans le passé, il semble que ce sont les enfants des esclaves, des enfants méprisés, mal aimés, qu'on envoyait à l'école. Les parents pensaient que l'école, c'était pour ceux qui n'étaient rien du tout. Des années plus tard, ce sont les fils des esclaves, les fils des enfants mal aimés, à qui on a dit, va aller à l'école. Ce sont ces mêmes personnes qui sont revenues plus tard, les commis et les patrons. Dieu a de l'humour. Là où tu as été vendu, là où tu as été méprisé, critiqué, vilipendé, si tu es dans l'onction ce matin, tu vas entrer dans l'onction que je dégage à partir de cet autel. Et je déclare sur toi, des hommes et des femmes verront tes chars. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour cela. 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 Priez et moissonnez. Priez et moissonnez. Le thème de l'année, priez et moissonnez. Yes. Jésus, c'est le mot plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus.
remue ton corps pour proclamer le prophétique. Soyez en esprit avec moi. J'espère que vous êtes en esprit avec moi. Je reprends le passage. Genèse chapitre 20, 45, verset 27. Mettez ça à l'écran. Je m'adresse aux services techniques. Genèse chapitre 45, verset 25. Il remontait de l'Égypte. Service technique. Genèse 45, verset 25 jusqu'au verset 28. Il remontait de l'Égypte. Le police avec moi. Et ils arrivaient dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Si vous voulez vous asseoir, pour vous asseoir. De toute façon, on va avec la fin. Je vais bien clore. Pour que nous partions d'ici avec, dans l'esprit, marqué par la parole. Il lui dit, il dit à Jacob, Joseph vit encore. Même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Moi, ça me plaît. On dit, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Le jeune de 17 ans qui a été vendu, d'abord méprisé, peut-être qu'on l'a même frappé, je ne sais pas, vendu, humilié. Ce jeune qui a connu toute forme de désillusion et d'humiliation, on dit, c'est lui qui gouverne en Égypte. Dieu a de l'humour. Les mêmes personnes que l'ont vendu sont les mêmes personnes qui sont en train de faire sa propagande. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ils vont faire ta propagande. Les mêmes personnes, hein. Les mêmes personnes, ça change. Les mêmes personnes, hein. Tu crois de la soeur? Elle est en train de monter, hein. Ça va t'arriver. Mais le cœur de Jacob resta froid. Parce qu'il ne les croyait pas. Il y a plusieurs niveaux. Des fois, on dit, telle personne est élevée, c'est pas suffisant. Verset 27 maintenant. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Malgré les paroles, Jacob ne croyait toujours pas. Mais, le verset B, il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, le père, se ranima. Quand ils ont vu les chars, quand il a vu les chars de son fils, quand ils ont vu les chars de son fils, quand tes frères et tes sœurs vont voir tes chars, c'est-à-dire les preuves de ton ministère, les preuves de ton travail, les preuves de ton élévation, les preuves de ton onction, les preuves de ce que tu fais, quand les preuves seront produites, Jésus a dit, si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez au moins à cause de mes œuvres. Les œuvres que tu vas produire en toi, les œuvres que tu vas produire en moi vont parler en ma faveur. Que Dieu fasse en sorte que cette année, tu sois producteur des œuvres. Ils ne seront pas convaincus par tes paroles. Ils seront convaincus quand ils vont voir. Je déclare sur toi. Tu vas porter des fruits. Par quel moyen on reconnaît qu'une terre est fertile? Comment on sait qu'une terre est fertile? On sait qu'une terre est fertile quand le cacao donne des cabosses importants. Quand le riz pousse. Je déclare sur toi. Comme Dieu fait de toi une terre fertile, tu vas porter des fruits. C'est pourquoi je déclare cette année, tu vas briller. Mais tu ne peux pas seulement briller. On peut briller sans porter des fruits. On peut briller sans porter des fruits. Les gens qui étaient riches auparavant, ils sont devenus pauvres. Ils ont brillé. Ils ne sont plus rien. On peut briller sans porter des fruits. Mais toi, tu sais pourquoi j'ai dit briller et moissonner. Tu ne vas pas seulement briller, tu vas moissonner. Ça veut dire tu vas porter des fruits. Je déclare que ces paroles vont s'accomplir pour toi. Jésus. Amen. Ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Jésus, nous élevons plus. Ça va se faire. Je vois des gens prier, je vois des gens prier. Je vois des gens moissonner, des gens moissonner, des gens moissonner. Jésus, nous élevons plus.
sœurs soient venues. On a presque fini. Mais je vais donner l'occasion à une personne. Parce qu'on a fini. Je m'arrête dans quelques instants. Je vais donner l'occasion à une personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout ce qu'on a déclaré comme parole, c'est très bien. Mais si tu le reçois, c'est encore mieux. Parce que les paroles vont t'accompagner toute ta vie. C'est pourquoi je donne l'occasion à une personne qui n'est pas sûre de son salut, qui n'a aucune certitude, qui vient juste le 31 à l'église, parce que tout le monde va à l'église, et après la main finale, directement à Yahousseï. Bon, comme c'est sur internet, Yahousseï c'est chez nous, à Yopougon. C'est un coin qui est chaud, coutoukou. Ça boit des prostituées, mais il y en a gratuit, à 500 francs. Tu viens de chanter à l'église. Jésus, nous te lèvons plus haut. Après la prière finale, on dit les quelle heure? Le pasteur aussi du trop. Et quand fini maintenant, ça chauffe. Tu sors là, carrefour. Il y a aussi direct. Mais ce n'est pas ton cas. C'est pourquoi je veux te demander. On a fini. Quand je dis on a fini, on va finir. Après ça, il n'y a plus rien. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te rappeler deux choses. Quand on dit 2019, ce n'est pas par rapport à un prophète, c'est par rapport à Jésus. On n'a pas besoin de discuter sur cela. Pourquoi c'est son nom qui divise l'histoire en deux? Pourquoi on dit avant Jésus et après Jésus? Pourtant, il n'avait qu'avec lui 12 quasi analphabètes des gens de Galilée. Pourtant, il avait été crucifié. Pourtant, on l'a enterré. Comment son nom a-t-il pu traverser l'histoire avec 12 personnes qui étaient incapables d'affirmer la foi du vivant de Jésus en lui, à plus forte raison après sa mort? C'est que quelque chose s'est passé. Son nom a traversé l'histoire. On l'appelle l'admirable. On l'appelle le conseiller. On l'appelle le prince de paix. Le Narcisse de Saron. Le plus beau en 10 000. On l'appelle l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est aujourd'hui notre avocat. Il représente, il te conseille et il te défend. Tu peux dire, pasteur Gadji, je veux c'est Jésus. 2019, c'est par rapport à lui. C'est pas par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a eu des gens puissants. Est-ce que vous savez qu'Alexandre le Grand, au temps de l'Empire grec, a conquis le monde à 32 ans, 33 ans? Il a conquis le monde, y compris l'Europe, l'Inde et l'Afrique. Conquis Alexandre le Grand. Pas sur internet, mais Alexandre le Grand. Il est mort à 32, 33 ans. Pourquoi ce n'est pas le nom d'Alexandre le Grand qu'on considère comme peut-être le plus grand général? Pourquoi ce n'est pas son nom qui s'est imposé dans l'histoire? Pourquoi l'Empire romain, un empire méchant puissant au Colisée, où on tuait les femmes en les livrant aux lions affamés à cause du nom de Jésus-Christ? Comment se fait-il que l'Empire romain a été vaincu? Avec des hommes et des femmes aux mains nues qui chantaient « Jésus, ton nom est élevé. » Son nom est au centre de l'histoire. C'est pourquoi tu peux dire ce matin, parce qu'on est le matin, il est 1h15-20 à ma montre, on n'est pas encore très avancé. Dis, pasteur Gadji, je veux ce Jésus. Je veux marcher avec lui. Je veux l'avoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je le veux comme avocat. Parce qu'après, il change, il devient juge. Pour l'instant, il est avocat. Lève ta main. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? On va clamer Dieu pour ces personnes. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Lève ta main et avance ici. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Lève ta main et avance ici. Acclamons Dieu pour ces frères qui viennent. Je vois deux personnes venir. Je vois une troisième personne venir. Je m'attends à une quatrième personne. Je m'attends à une cinquième personne. C'est lui le Messie. Je peux le démontrer, on peut discuter. Aucun être humain n'a pu dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun être humain n'a pu dire cela. Aucun prophète, même dans sa plus grande folie, n'a pu dire je suis la résurrection et la vie. Dans les phrases, même quand on est fou, on ne prononce pas. Lui l'a prononcé. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais l'histoire nous donne raison. C'est vrai. Sinon son nom aurait depuis longtemps été effacé. C'est le nom le plus grand. Je vois juste quatre personnes. Je vois une cinquième personne venir. On va acclamer Dieu ce matin. Je vois une cinquième personne venir. On va acclamer Dieu pour cette fille. Je vois encore une sixième personne venir.
Je vois une sixième personne. Si tu es là, en haut ou en bas, écoute, merci bien. Acclamons Dieu pour ces personnes. C'est merveilleux de voir des personnes qui donnent leur vie au Seigneur juste à, dans les premières heures de l'année. Je vois le petit qui est en train de venir. Le petit Mika Trabi. C'est lui. Je te connais. J'ai prié pour toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore? Je vois encore une petite. Madame, laissez l'enfant. Si elle a vu la main, il faut le laisser. Vous ne savez pas ce que tu peux faire avec un enfant comme ça. Moi, j'étais petit quand il partait à l'église. C'est parce que chez les méthodistes, on ne faisait pas d'appel. Si j'aurais pu me convertir peut-être à 5-6 ans, j'aurais pu. Si tu es ici et que tu hésites, je ne veux pas te forcer. Mais je te dis que c'est le plus grand choix qu'un homme puisse faire sur la terre. Avoir Christ dans sa vie. Là-t-il quelqu'un qui est en train d'hésiter, qui veut dire, pasteur Gadi, je veux ce Jésus. J'aurais bien voulu préciser sur Jésus, mais bon, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai simplement rappelé deux ou trois faits qui montrent que c'est vraiment lui qui est au centre de l'histoire. Dernier appel, si tu hésites et que tu n'es pas très sûr, je veux que tu tiennes debout et que tu viennes. Ok, on va prier. Les répéter après moi. Oh Dieu, Créateur du ciel et de la terre, en ce premier jour de l'année 2019, je te demande d'entrer dans ma vie et de faire de moi ton enfant. Parce que je confesse que Jésus-Christ est désormais mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci d'entendre ma prière et de m'exaucer. Écris mon nom dans ton livre de vie. Efface tous mes péchés, connus ou inconnus. Et garde-moi dans ta voie, maintenant et pour toujours. J'ai prié ainsi. J'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, j'ai prié pour vous. C'est moi qui prie pour vous maintenant. Je veux que vous tendez vos mains vers ces bien-aimés. Père, je te prie pour ces bien-aimés, ces jeunes soeurs, cet enfant qui sont venus spontanément parce que tu as touché les cœurs. Que ta main soit sur leur vie. Que ta grâce soit sur sa vie, Seigneur. Que ta main soit sur sa vie, Seigneur. Merci. Que ta main soit sur sa vie. Père, que ta main soit sur sa vie. Que ta main soit sur sa vie. Que ta main soit sur sa vie. Que ta main soit sur sa vie, Seigneur. Père, fais d'eux une nouvelle créature. Et que leur vie ne soit plus jamais la même. Je te remercie pour ta grâce. Et je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu les conduis et tu les aides. Maintenant et pour toujours, j'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez le monsieur qui est en costume. Juste pour qu'on prenne vos coordonnées. Allez-y. Allez, suivez le monsieur qui est là. Vous n'allez pas vous perdre. Pour parler comme Issou Anaba, s'il fait 5 minutes de plus, on appelle la police. Mais il n'est pas duré. Pendant qu'ils prennent le nom, si tu es ici, que tu as mal, un mal quelconque dans ton corps, mets ta main là où tu as mal. On est vraiment dans les derniers moments de la veillée. On va prier pour ceux qui sont. Tu as un mal quelconque. Sache que celui qui guérit n'a pas changé. N'a pas changé. Il est le même, il est puissant. Je peux vous imposer les mains à cause du temps qui a avancé. Mais il y a une main qui est plus grande que ma main. Cette main est invisible. La main du Créateur est sur toi. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute forme de douleur qui s'est introduit dans le corps de manière illégale, de manière illicite, de mourir à sa racine au nom de Jésus-Christ. Esprit de maladie, je te lis et je brise ton pouvoir. Relâche la vie et que ces bien-aimés entrent en 2019 totalement libre. Je te remercie, Père, parce que par les maîtrises de Jésus-Christ, ils sont guéris. Je déclare leur liberté. Je déclare leur guérison. Je
déclare le rétablissement. Et je proclame maintenant qu'ils sont libres. Père, merci. Que tous ceux qui subissent des pressions, des oppressions, des envoûtements, des poursuites, la peur, l'instabilité morale, spirituelle, oh Dieu, que tout jour sur leur vie soit brisé. Et que ses frères et ses soeurs en 2019 aient la liberté totale. Merci pour ta grâce et merci pour ta puissance. J'ai prié sur le nom de Dieu qui nous arrête. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner un chant de louange? On va clore ce moment. Donner un chant de louange. On peut donner un chant de louange. Un chant zouglou. On a fini, il est l'heure. Ou bien embêté. Embêté. Embêté, c'est mieux. Embêté, c'est mieux. Ah, ils sont joués. Donc, il faut nous embêter alors. Qui se sent embêté ici? C'est toi? Bon, ok. Bon, c'est pas moi, hein, c'est eux qui ont dit embêté. Un chant, un bon chant embêté. On a fini. On va clore ce mois-là par la louange. Et si tu as des offrandes à apporter, tu peux nous apporter, mais on a fini. Il est 1h30 et non, 25, on a fini. On a fini par un chant et on se sépare. Je rappelle que le dimanche prochain, on fera un seul culte parce que ça sera un dimanche de remise de prix à tous ceux qui auront pratiqué la méthode Anakazo. Et moi aussi récompenser beaucoup de personnes. Et le pasteur Nyanetia qui va ouvrir une église à Mejoville, il va aussi en parler. Et je vais rappeler cela. Donc, dimanche prochain, nous aurons un culte à 8h30. Habituellement, on a deux cultes. 6h30, 9h30. Et deuxième culte, 10h à 12h15. Mais de manière exceptionnelle, comme c'est le premier dimanche de l'année, dimanche prochain, donc nous aurons un seul culte à partir de 8h. Parce qu'on va voir à récompenser beaucoup de frères. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui vont encourager, féliciter et récompenser. Tous ceux qui n'ont pas pu apporter leur offrande, apportez vos offrandes. Et qui sont venus après. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu apporter leur offrande, apportez vos offrandes. Toute offrande que vous avez prévue, apportez-les. Tout ce que vous avez comme offrande, on n'a pas pu. C'est maintenant qu'on fait l'offrande parce que quand était minuit, je n'ai pas fait d'appel, mais tout le monde a commencé à venir avec son offrande. Donc, vous, tous ceux qui avez vos offrandes, apportez-les maintenant. Pendant ce temps, on prépare un chant. On a dit un chant embêté. Bon, les bêtés dansent danse pas avec mouchoir. Ils dansent avec les. Allez, les bêtés et les femmes des bêtés, tenez-vous debout. On se met debout.
Il a ma montre 1h31 minutes. On va arrêter. Mais si on s'en va, on peut toujours rester encore jusqu'au matin. Dès qu'on fait la prière finale, ceux qui veulent rester vont rester et vont chanter. Que l'année 2019, qui a été déclarée ma saison pour briller et pour moissonner, s'attache à votre âme. Que le nom de l'année s'attache à votre esprit. Que le nom de l'année s'attache à votre corps. Et que tout ce que vous allez faire avec l'accord et l'accord avec la parole de Dieu soit éclairé, soit brillant et soit puissant. Votre lumière ne peut pas se teindre. Parce que Christ est votre lumière. Il vous fait briller comme une ville placée sur une montagne élevée. Il met vos pieds sur les hauteurs afin que sa parole soit accomplie. Tu seras une source de bénédiction. Comme Joseph, on va composer avec toi. Ça sera logique parce que Dieu va positionner les choses ainsi. Je déclare que toutes ces prophéties que j'ai reçues de la part du Seigneur et que j'ai déclaré s'accomplissent pour vous de manière parfaite. Bonne année 2019. Que Dieu vous enrichisse, qu'il vous positionne, qu'il vous fasse prier, qu'il vous fasse moissonner. Dans mon ministère, il est 1h du matin, il est 12h. Je brille dans ma destinée et toi, tu brilles dans ta destinée. Bonne année 2019. Que Dieu te bénisse, toi, ta famille, tes enfants, tous ceux qui te sont chers, que sa faveur ne t'efface jamais défaut. Et en 2019, la grâce de Dieu. Dimanche prochain, on commence, on fait culte unique à 8h30. Et on reprend les cultes le jeudi, le 10 septembre, le 10 janvier. Suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Ça vient vite.